Merci. J'ai trouvé une chanson qui m'a sauvée et soutenue. La musique a ce pouvoir, vous le savez. J'ai dû faire face à un deuil et à beaucoup de douleur. J'ai entendu cette chanson et je vous assure qu'elle a touché mon âme au plus profond. Elle est devenue mon hymne. Elle est venue à mon secours. Et je n'ai pas arrêté de me demander qui a bien pu l'écrire. Qu'a-t-il dû traverser pour pouvoir me faire ce don? C'est de l'espoir, du pur espoir. C'est une chanson extraordinaire. Elle est venue juste comme ça. J'ai dû l'écrire en moins de 10 minutes. La musique et les paroles. Bart, ça ne t'a pas pris 10 minutes pour écrire cette chanson, mais des années de vie. Raconte-moi d'où elle vient. Mon cœur, tu as passé toute la journée dehors. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, tu as fait du bon travail, Bart. Du très bon travail. Tiens. Oh, je reviens demain. Au revoir. On a besoin de bonnes chansons, tu vois. Je crois que c'est tout ce qui compte, au fond. Ouais. Peu importe le groupe. Tiens, celui-là t'intéressera peut-être. C'est un des plus beaux concerts que j'ai pu voir. Tu m'en diras des nouvelles. Alors, mon chéri, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fabriqué un casque pour mon vaisseau spatial.
Il y a eu une grande bataille dans la galaxie. Tu as dû bosser dur pour ça, je suis sûre. Oui. C'est quoi ça? Oh, ça, c'est rien, c'est bon à jeter. T'es un rêveur, Bart, c'est bien. Tu n'as jamais imaginé des choses, toi? Je vais t'apprendre un truc, Bart. Les rêves ne paient pas les factures. On fait rien de bon avec des rêves. Si tu rêves, jamais tu pourras avoir tout ça. Ni affronter la réalité. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Hein? Oui, je comprends. Bien. Puisque c'est bon à jeter, alors... va me mettre ça dans la poubelle. Allez, monte dans ta chambre. Ça va aller, c'est rien. Ça va? T'es prêt pour une aventure? Ah, tout de suite. Oui, tout de suite. Ça s'appelle le camp Glorieta. La paroisse y envoie les enfants en colonie. C'est un chouette camp d'été. Je les ai appelés, il y a une place pour toi. Arrête de faire cette tête, tu vas adorer, je le sais. Tu vas te faire des amis. Et de beaux souvenirs aussi. Est-ce qu'on pourrait pas juste faire ça? Faire quoi? Ben, juste rouler. Rouler et écouter de la musique. Surtout cette musique. Seulement toi et moi. On n'a qu'à juste écouter les paroles. Voilà, on y est. Tu ne crains pas les nouvelles rencontres? T'as raison, je peux le faire. Bien sûr. Que la force soit avec moi. Hé hey. Chérie, tu sais que je t'aime. Alors, ok. Vas-y. Vas-y, mon chéri. Au revoir, maman. Je peux le faire. Les Walkman sont interdits. On va te le confisquer. Attends, tu rigoles ou quoi? Oh, bonjour. Je m'appelle Bart. Mes amis m'appellent Bart. C'est simple et court. Ça, c'est sûr. Et je suis Shannon, tout court. Prêt pour la semaine? Y a aucun risque. T'as vu? C'est sans danger. Sauf une fois, quand le pont a lâché avec un enfant dessus. Allez, tu viens? Ah,
Oh, je suis désolée. Bart, je te présente Kent. Salut Bart. Ça va? Oui, merci. C'est le jeu des gobelets. Je suis plutôt nul à ça, enfants, mais bon, j'essaye. Les enfants, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Rusty, le pasteur des jeunes de l'église baptiste de Greenville. Si vous n'avez pas de journal, venez me voir et je vous en donne un. Vous en aurez besoin dès ce soir. Je vous souhaite une excellente c'est bon, semaine. Assieds-toi, je vais le chercher. C'est un journal de bord ou un truc du genre... Oui, mais c'est plus que ça. J'y mets aussi ce que je ressens, ou mes prières, mes problèmes, mes rêves, ou des trucs que j'imagine parfois. Je peux regarder? Pardon, je savais pas, j'étais juste curieux. Shannon, c'est ton tour de nettoyage de cuisine. Allons-y. Bon, c'est à mon tour. À tout à l'heure. Hé, hey Bart, j'ai ton journal. Oh, oh non, Kent. Allez. Tiens, je suis désolée. C'est super ça. T'aurais dû nous dire que tu dessines. Pourquoi t'es habillée comme si t'allais sortir? Viens avec moi si tu veux t'évader. C'est juste pour jouer, qu'est-ce que tu crois? Alors, tu veux être quoi quand tu seras grand? Un artiste? Non, je veux être un footballeur. C'est ce que mon père a été. Il était même très bon, tu sais. Il était célèbre quand il était à la fac. S'il nous trouve, on aura des ennuis. Je sais, mais vu ce qui se prépare, ça vaut la peine. J'ai vu des gars installer du matériel pour des feux d'artifice cet après-midi. Bon, écoutez, vous allez sur le pont et vous allez regarder vers le nord, d'accord? Tiens, en fait, tu savais que Bart savait dessiner? Salut. Tu sais dessiner? Ben oui, je crois, un peu. Bart, j'ai peur que tu aies vu ce que j'ai écrit dans mon journal. Tu as vu? Non, je vois même pas de quoi tu parles. Arrête, je sais bien que t'as vu ce que j'ai écrit, avoue-le. Peut-être, oui. Bon, voilà, écoute, tu sais ce que je crois? Je crois qu'un jour, nous deux, on tombera amoureux et qu'on se mariera. Je sais que c'est notre destin. Mais pour l'instant, je suis vraiment gênée et je vais rejoindre Kent. Non, attends, reste, s'il te plaît. Pourquoi? Tu as peur dans le noir? Ou des monstres de la nuit? Non, c'est juste que j'aime pas rester seule. Préférée. C'est gentil. Quand je serai grande, je serai chanteuse comme elle. Merci, c'est super gentil. Allez, les Mes enfants, parents sont venus me chercher. On a de la route. Au revoir. Dernier arrêt. C'est pour toi. Heureux d'avoir fait ta connaissance, Bart. On se revoit dimanche? Oui, d'accord. Salut. Maman? Les défenseurs de Denver ont bien verrouillé le Maman? Où est maman? Elle se tirait d'ici. Mais où elle est allée? J'en sais rien, elle s'est barrée pour toujours. On n'est plus que tous les deux maintenant. Quand est-ce qu'elle va revenir? Je te l'ai dit, elle est partie d'ici pour toujours. Elle veut plus de moi. Et elle veut plus de toi non plus. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu veux te battre avec moi, mon garçon? Oh, tu lui as encore cogné dessus? Tu lui as fait du mal comme à moi? Rien! J'ai rien fait! T'entends? Je lui ai rien fait!
C'est pas à cause de moi qu'elle est partie. Voir ta mère. Je l'ai eue au téléphone. J'ai même essayé de vivre avec elle un été quand j'étais au collège, mais elle était dans une relation aussi destructrice qu'avant. Pire encore, je dois dire. Et puis, mon père est venu voir le type. Il lui a cogné dessus, il l'a jeté dans les escaliers, il lui a dit que s'il tapait encore sur ma mère, il reviendrait pour le tuer. Et il m'a ramené à la maison. Il y a comme une certaine ironie. Il n'y a pas eu d'autres rencontres. Et après, qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé d'exceller dans le seul domaine qui comptait pour mon père. Salut. Hey, salut chérie. Chérie, c'est ça. Hey, franchement, arrêtez, vous embarrassez tout le monde ici. Et en plus, avec cette barbe, t'as l'air d'avoir 35 ans. Boucle-la, Kate. Ouais, tais-toi. Moi, j'adore. Mila! Allez, ramène-toi! Tout de suite! Je t'aime. Je sais. Tu te fiches du monde? Allez! Salut. Donne-moi une seconde. Le lait a tourné. Il est périmé depuis un mois. Je vais faire des toasts alors. Je te demande pas grand-chose à faire dans cette maison, Bart. Pas grand-chose. J'ai failli marquer aujourd'hui, mais on m'a plaqué avant la ligne. J'y étais presque. Il a fallu combien de gars? Quoi? Il a fallu combien de joueurs pour t'envoyer au sol? Seulement un. Un seul? C'était juste un entraînement. Un seul gars pouvait pas m'envoyer au sol. Ça leur prenait au moins toute l'équipe. Ma vie, c'est la même chose. Si la vie me frappe, je réponds en frappant plus dur encore. Et je vais jamais au sol. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Tu comprends? Rien m'envoie au sol. Toi, on t'envoie au sol trop facilement, c'est ça ton problème. Ah ! Ici ! Coque-le, coque-le ! Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu peux plus jouer. Pour longtemps? Pour toujours. C'est décevant. Ouais. Ouais, très. Oh!
Sérieux, fais attention. Désolé. T'es dingue. Laisse Shannon me pousser. Ouais, ce serait plus prudent. Ça craint, c'est corruptionnel. Si t'en suis pas, tu peux dire adieu au diplôme. Choisis-en un qui te plaît pour remplacer le foot. C'est pas gagné. Ok. Hey, Bart. T'as déjà pensé à devenir couturière? Y a plus de place dans le cours de couture. Ni dans les autres, d'ailleurs. Ouais. À part dans celui-là. Lequel? La chorale. Tu rigoles? Très bon. Mon grand, je crois que tu t'es trompé de salle. Je serais heureux que ce soit le cas, sans vous offenser. Je ne le suis pas. Tu chantes? Non. Tu veux être acteur? Ah non, pas du tout. Est-ce que tu veux danser? Je suis en fauteuil roulant. Le mieux, ce serait de me virer de cette classe. Sache qu'ici, on n'exclut personne. Comment tu t'appelles, jeune homme? Bart Millard. Bart Millard. Ouais. Je te nomme directeur technique et régisseur. Ouais, génial. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, ça, je connais. This is life like no other. Whoa, whoa, this is the great adventure. Hey, je te félicite. Quoi? T'assures, Millard? Là. Félicitations. De quoi? Bien joué, Bart. T'as encore rien dit? Je dois dire que je suis assez jalouse. De quoi? Mais de quoi tu parles? Bien joué, Bart. Félicitations, Bart. Oui, oui, super. Qu'est-ce que t'en dis? C'est génial, non? Madame Fincher! C'est non. C'est quoi cette histoire? Je peux pas faire ça. Je l'ai jamais répété. Tu peux le faire, et tu le feras. L'affaire est réglée, aucune discussion possible. Non, attendez, je suis un Millard, ok? Il faut savoir qu'un Millard est footballeur, pas un clown sur une scène. Tu as un don, Bart. Dans mon cours, tu seras forcé de l'utiliser, ou alors tu rateras ton année. À toi de choisir. Écoutez, mes jambes sont encore en vrac, je peux même pas marcher. Le spectacle est dans 2 mois, alors tu as le temps de te remettre, et puis arrête un peu de trouver des excuses. Je sais pas chanter dans ce style, comme on chante à Broadway. Je vais t'enseigner. Écoutez, Madame Fincher, vous êtes quelqu'un de bien, je vous apprécie beaucoup, vous savez. Et je vous respecte aussi, mais jamais je ne chanterai dans ce show. C'est non, jamais de la vie. Jamais vous ne me ferez monter sur cette scène. There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Oh, what a beautiful morning! Oh, what a beautiful day!
the sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breeze is so busy, it don't miss a tree. And an old weeping willer is laughing. Comprendre qu'on a un protocole à suivre. Vous ne me garderez pas de force. Je pars quand je veux. Ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Vos analyses sanguines nous ont inquiétés. Nous avons donc fait d'autres analyses et je tiens à discuter du résultat avec vous. Bah, vous avez mon numéro. Vous n'avez qu'à m'appeler. Je veux qu'on en discute tout de suite. D'accord. Pourquoi j'ai perdu connaissance? Vous avez un taux de glycémie trop bas, monsieur. Ça veut dire quoi? Que je suis... diabétique? Non. Nous avons découvert une masse sur votre IRM. On pense qu'il s'agit d'une tumeur cancéreuse. Non. 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 Nous voudrions faire d'autres analyses et choisir ensuite le traitement qui conviendra le mieux. J'ai pas besoin d'un traitement. Faut que je rentre chez moi. Monsieur Millard, si vous refusez le traitement, ça réduira considérablement vos chances de survie. Papa ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, rien du tout. Je me sens bien. Ok, laisse-moi te raccompagner. Oh, je peux très bien conduire. Monsieur, vous êtes sûr que ça ira ? Je suis Shannon, la copine de votre fils. Oh, bonjour Shannon. Eh ben, j'aurais jamais cru que Bart se trouverait une fille aussi jolie. C'est gentil. Ça va aller, je me sens très bien. Mais ils ont dit ce que vous avez eu ? Un peu d'hypoglycémie, j'ai fait un malaise alors que je dînais au snack, je suis tombé de mon siège. Et d'ailleurs, je regardais ton nom à ce moment-là, ton nom sur une affiche d'un spectacle. J'ignorais que tu voulais venir. Et vous l'avez entendu chanter, vous? Parce que c'est une surprise, j'ignorais qu'il savait chanter. Il a bien chanté, il a été très bon. Papa, je suis désolé, j'aurais dû t'inviter. Oh, on en discutera plus tard, fiston. Je te raccompagne à la maison. Non, c'est pas la peine, reste avec ta jolie copine. Bart, où est-ce que tu vas? Rejoindre la troupe. Je vais pas rater la fête pour ça. Excusez-moi, pardon, de quoi souffre Monsieur Millard? Vous êtes de la famille? Non. Posez-lui la question alors. Merci. Tu t'es levé tôt? Ouais, pour faire ton petit déjeuner. C'est quoi ce costume? Tu vas à un enterrement? Non. Je vais à l'église, papa. L'église. Assieds-toi et mange. Allez, assieds-toi et mange. Ça va être froid. T'as lu cet article? Attends, tiens, regarde ça. Regarde. En première page, t'as l'air d'un cow-boy de carnaval. C'est ridicule. À tes yeux, je suis ridicule, c'est ça?
C'est pas ce que j'ai dit. Tu viens de le dire. Hey, n'essaie pas de parler à ma place. Ça te dérange que je chante? En quoi c'est ridicule? Explique-moi. Peut-être que je suis bon pour ça. Le pasteur a voulu que je vienne chanter ce matin. Ça veut bien dire quelque chose, non? Il veut que tu chantes pour gagner ta vie? Moi, tout ce que je dis, c'est que tu vas devoir te trouver un métier dans lequel tu seras bon et tu pourras peut-être gagner ta vie. Parce qu'un de ces jours, tu vas devoir t'assumer tout seul. Comment tu peux savoir si je suis bon ou pas? Tu m'as jamais entendu chanter. Ça, c'est pas de ma faute. Ici, quand t'ouvres la bouche, c'est pour te plaindre. Ok. Ce matin, je chante à l'église. À 10h, je passerai sur la radio locale. Pourquoi tu viens pas m'écouter? Non, je peux pas. Pourquoi ça? Non, je suis pas de chez eux. Pourquoi? J'ai dit que c'était comme ça, c'est tout. Je suis pas de chez eux. Bon, d'accord. Oh, Bart, mon garçon, il n'est rien du tout, juste un point rien, voilà ce que je pense. Si seulement il était pas né, tout irait bien, moi je vous le dis. Bart, tous mes soucis viennent de Bart, c'est ce morveux. Si tu continues à parler à ma place, je te mets mon poing dans la gueule, fiston. Je suis un peu trop grand pour ça, je crois. Tu crois que je peux pas? Je crois que ce temps est derrière nous, ouais. C'est vraiment ça que tu crois? C'est ce que je crois, ouais. Écoute, fiston, t'as intérêt à me parler avec respect, parce que c'est moi qui rapporte de quoi manger dans cette maison. C'est moi qui paye les factures et c'est moi qui suis resté. Est-ce que tu vois ta mère dans le coin? Personne peut lui en vouloir de t'avoir quitté, j'en aurais fait autant. Tais-toi maintenant, tais-toi et mange. J'ai pas faim. Mange ton plat. J'ai pas faim, ok? Bon, d'accord. Non mais ça va pas! T'approches pas de moi! Je suis sérieux, lève plus la main sur moi! Tout ça, c'est terminé! T'es cinglé! T'approches plus de moi! Ça va? C'est rien, ça va. T'es sûr? Ça va. Je me demandais si on pouvait tous prier pour un de mes amis. Je pense que cet ami ne me dit pas tout sur ce qu'il vit. Je sais pas quoi faire. Je veux l'aider, mais je sais qu'il voudra pas. Et je sais aussi que plus j'insisterai, et plus il se renfermera. Et quand je le regarde, je vois qu'il se cache derrière un masque. Prions pour lui. Personne ne peut vivre une vie dans le mensonge, n'est-ce pas? Ouais. Bien sûr qu'ils savent que tu parlais de moi. Tu te rends compte à quel point c'est gênant? Je voulais juste que tu m'écoutes. Qu'est-ce qui va pas? Dis-le-moi. Ça va, je vais bien. Non, ça va pas. Est-ce que c'est ton père? J'ai qu'à venir chez toi, je peux peut-être t'aider. Tu viens pas chez moi, c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qui te rend si agressif? Dis-moi. Je sais pas, ça vient peut-être de mon masque. Tu trouves ça drôle? Oui, plutôt, oui. Passage, tu m'as percé un jour. Tu t'arranges pour rejeter tout le monde. M'ajoute pas à ta liste. Je t'aime et je t'ai toujours aimé. Moi, je peux pas en dire autant. Bon, écoute, l'année se termine bientôt. Tu vas aller à la fac et moi, je vais poursuivre un rêve stupide, non? J'ai jamais dit que ton rêve était stupide. On s'est bien amusé et j'ai aucun regret. Ok, mais bon, on change, c'est normal. Je crois que nous deux, on s'entend plus. Je vais partir, Shannon. J'attends la remise du diplôme et je m'en vais. Je t'en prie, fais pas ça. Quoi? T'en vas pas. Je peux pas rester ici, Shannon. Ça m'épate que les gens se taillent dès qu'ils sont pas payés. Je devrais essayer un jour. Attends, on fait la première partie de la première partie de la conférence des jeunes. Sauf qu'on pourra pas, c'est ça le problème. Que tu crois pouvoir ou ne pas pouvoir, tu as raison. C'est Confucius.
C'est surtout confus. Et ça agresse ma condition d'artiste. Un artiste qui va gagner à peine 100 dollars. Ok, à partager en trois. Tu parles d'un artiste. On n'a plus de chanteur. On peut pas jouer. C'est impossible. Ouais, mais les seules choses impossibles sont celles que l'on désigne comme impossibles. C'est de qui, ça? Aristote? Je l'ai lu dans un biscuit chinois. Oh, Nathan, on pige que dalle à ce que tu racontes. Ok, c'est dingue ce que tu peux être défaitiste, oui, franchement. Oui, depuis le dernier concert, le dernier concert, pourquoi tu reviens toujours là-dessus? Les gars, si vous cherchez un chanteur, je suis là. Et je peux aussi m'occuper des câbles et de la table de mixage. Je peux gérer la lumière. Et j'écris des chansons, aussi. Disons que j'essaie, en tout cas. T'es qui, toi? J'ai rejoint le groupe. Tout ce qu'on avait, c'était les vêtements qu'on portait sur nous. On acceptait tous les concerts. On jouait partout où on nous engageait. On était, techniquement parlant, des sans-abri, j'imagine. Your heart says less, your head says more, and in between is where you're torn. Trace your steps to where you were before. Trace your steps now. Et monsieur Nathan à la basse. Faites du bruit pour Nathan. Jim au clavier. Ouais, et moi c'est Bart, on est les Mercy. Et Robbie à la batterie. C'est un nouveau. Merci d'être venu, est-ce que ça vous a plu? Super. J'espère, parce qu'on a joué tout notre répertoire. Laissez-moi vous raconter une histoire avant que vous ne partiez. Quand j'avais, je dirais, 10 ou 11 ans, la vie était assez dure. Elle était même vraiment très dure. J'avais besoin de quelque chose, d'un soutien, et j'ai toujours adoré la musique, vous voyez. Et j'ai trouvé quelques chansons auxquelles je me suis... Comment dire? Auxquelles je me suis accroché. Vous voyez ce que je veux dire? Comme à une ancre pendant la tempête. Et elles m'ont aidé à tenir. Elles me parlaient d'un père dans les cieux qui prenait soin de moi. Un père qui m'aimait au point de mourir pour moi. Un père qui ne me quitterait jamais. J'ai écouté ces chansons encore et encore et encore. Et elles m'ont donné de l'espoir parce qu'il m'en fallait. Il y a peut-être quelqu'un dans cette situation ici. Alors chantez avec moi. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Grace abounds.
cool que vous soyez là. J'apprécie. Hey, Bart. Bart, où est-ce que tu vas? On doit tout emballer. J'ai quelqu'un à voir, Mike. Qui ça? Scott Brickell. C'est pas le gars qui... Le manager de Duo Adrenaline et d'autres groupes. Eh, mais pourquoi il était là? Parce que je lui ai écrit toutes les semaines, depuis 2 ans. Faut que j'y aille. Monsieur Brickell? C'est juste Brickell. D'accord. Ok. Je savais pas que vous alliez venir, merci. Eh oui, je suis venu. Joyeux Noël. Vous savez, d'habitude, on fait des grosses scènes, mais on aime bien aussi jouer dans des plus petites salles comme celle-ci. Ouais, écoute, Brad. C'est Bart. Désolé. C'est quoi le nom de ton groupe, déjà? C'est Mercy Me. Ça vient de ma grand-mère, quand je lui ai dit que j'allais faire un groupe. Elle a fait « Aie pitié de moi, trouve un vrai métier !» Et moi, j'étais là « Oh, mamie, s'il te plaît !» J'ai raconté ça aux autres, et ils ont dit « Elle a dit ça ?» J'ai dit « Ouais, c'est comme ça qu'on doit s'appeler. » Voilà l'histoire de notre nom. Écoute, le débit de paroles qui sortent de ta bouche est... épuisant. Tu veux que je te dise? Tu n'es pas prêt. T'as du talent, t'as du potentiel, tu sais chanter, mais je crois que tu n'as pas trouvé ta chanson. Ça manque de fond, tu comprends ce que je dis? Écoute, la dernière chanson que t'as chantée était vraiment spéciale. La prochaine fois, c'est ce genre-là que tu dois chanter, pendant tout le concert. Et on verra comment ça marche. C'est pas le genre de musique qui nous convient, je crois. Crois-moi, tu n'as aucune idée du genre de musique qui te convient. On compose, on fait pas juste des reprises. Eh ben alors, tu écris une chanson dans ce genre, et tu me téléphones. Non, attendez, vous devez venir avec nous. On a 2 autres concerts au Texas. On a plein de places dans notre bus. Et vous pouvez pas me demander de tout changer et nous abandonner ensuite. Vous n'êtes pas ce genre de personne, ça je le vois. J'ai fait un vol atroce sur un mauvais siège. J'ai loué une voiture trop petite pour ma taille. J'ai roulé 3 heures au milieu de nulle part pour t'entendre me dire que tu veux que je voyage dans ce truc-là. Et avec vous? Ouais. Alors, c'est la meilleure de l'année. Et je crois que je ferais mieux de me trouver un autre boulot. Oui. Bonsoir, vous êtes Shannon Street? Oui, qui est-ce? C'est la police, madame. On voudrait vous parler un instant. Pourriez-vous descendre? C'est pour votre sécurité. Ramène la fille, Bart! Wouhou! Shannon! Bart? Salut. Ça fait longtemps, hein? T'es splendide. Il est minuit, Bart. Qu'est-ce que tu fais ici? On a fait un concert dans la ville. Je sais pas si t'es au courant, mais on a enregistré un CD. Il y a toutes nos chansons dessus. C'est un vrai CD. Tiens, c'est pour toi. On a encore 3 dates. Tu veux nous accompagner? On récupère Kent au passage et on prend la route comme avant, les 3 mousquetaires. Je vais retourner dans mon lit. Oh, s'il te plaît, Shannon. Ça va être une aventure, on va s'amuser. Une aventure? T'es sérieux? Ouais. Mais à quoi t'as pensé en venant ici? Bah, à rien, j'ai pas trop réfléchi. Ce serait marrant, c'est tout, c'est ça l'idée. Y'a que ça. C'est la seule raison. Bah ouais. Les aventures avec toi, c'est du passé. Je veux que tu saches que je prie pour toi tout le temps. Tout le temps, crois-moi. Et j'espère que quoi que tu cherches, tu le trouveras. Merci pour le CD. Ça serait bien, parce que dans Game, ouais, ça va avoir un contact chez eux. Ça peut s'arranger. Elle vient pas avec nous, les gars. Elle est intelligente, elle au moins. Quoi, tu viens d'écrire celle-là? Oui. Il y a une nouvelle chanson. Ouais, on la peaufine, toute nouvelle. C'est bon? Ouais, c'est vraiment beau, Nathan.
d'ailleurs la joue. Je suis sûr que Brickell va adorer. From the top of the world I will sing of the joy that flows from my glorious King. And in my heart, Lord, I can see your loving arms coming down to me. By your blood they washed over me. By your grace they came down to kiss me. Jesus, you have cleaned my heart and my soul for your glory. Où est-ce que tu vas ? Je retourne en Nashville. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Et je dois aussi faire les démarches pour l'avenue du groupe à la GMA Week. Quoi ? Hé, hey, la GMA Week, c'est quoi ça ? Le plus important festival de musique gospel. Allez, monte dans le bus. Oh, c'est génial. Vous ne jouerez pas sur la grande scène, mais je ferai venir des labels et je vous demande deux choses. C'est inviter le plus de groupes de jeunes possible pour remplir la salle à bloc et faire ce que vous avez fait ce soir. Attends, t'es devenu fan ce soir ? Prends pas la grosse tête, fiston. L'autre soir, tu as dit que tu priais pour moi et je voulais te dire que demain, on doit faire un gros concert. Et c'est très important pour nous. On est prêts, mais on a un de ces tracks. Alors, rien, en fait, c'est tout. Je voulais juste te le dire. C'est loin d'être Broadway, c'est sûr, mais c'est le mieux que j'ai pu trouver en un temps aussi court. Oh, attends, tu rigoles, c'est plus que parfait. Oh, lui, c'est Dingo, votre ingénieur du son. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le lui savoir. On a un ingénieur du son ? T'as réussi à avoir un label ? Non. J'en ai eu 5. Peut-être plus encore. Je compte juste sur vous pour remplir cette salle. Messieurs, faudra envoyer du bois. Ouais, compte sur nous. C'est avec ce qu'on plaisir. Va faire. Le pont est là, d'accord. Tu vas ? Ouais, c'est... Ensuite, on fait tourner et tu fais ton solo. Ok. On sera signe de toute façon. Ok, pas de soucis. Alors, Bart, t'es prêt ? Comment tu le sens ? Il y a du monde, hein ? Bart, il y a un truc dont je voudrais qu'on discute tous les deux. Tu viens ? J'aimerais te présenter à quelqu'un. C'est un vieil ami à moi. D'accord. Il est venu vous voir ce soir. C'est Michael Smithy? W. Smith. Smithy, c'est comme ça que vous appelez vos amis, non? Ouais, ouais. C'est dingue. De rencontrer. Je suis le plus grand de tous vos fans depuis... Désolé, je suis un fan absolu depuis toujours. Toujours. Votre tournée avec Amy Grant m'a tellement inspiré, si vous saviez. Merci. Je me souviens de votre veste. C'était une veste rouge. C'était super audacieux, et moi, j'ai voulu acheter la... Ah, si, vous portiez une veste toute rouge, je suis sûr. Est-ce que je portais une veste rouge sur notre tournée ? Bien sûr. Oui, tout à fait, une veste en velours rouge. Oh, c'est pas vrai. Salut. Je rêve. Amy, Ok. Ça va ? J'ai juste cru m'évanouir, mais ça va, la toute première... La toute première chanson chrétienne que j'ai écoutée en boucle était Never Alone. Pour moi, elle a représenté un réel espoir.
Merci. Je sais pas comment dire. Je pense. Oui, ça me touche beaucoup. C'est une chanson géniale. Et nous, vous êtes là. On est très heureux d'être là. C'est comme si je voyais Wonder Woman. Bonne chercher. Je parle à Immigrant. Vous êtes plus haut encore que les super-héros. On va y aller. Quoi? Désolé. C'est l'heure. Mais on discute. Oui. Salut. C'est Mike. Enchanté. Et bonne chance. Ok. Merci, bonne soirée. Tu vas bien? Ils sont bien. Tu te rends compte? Je l'ai vu en vrai. J'ai vu Immigrant. Ouais. Et elle m'a parlé. Non ouais, on a même été très bon. Ça encore. Ouais, je crois que c'est notre meilleur concert. Le public était à fond. Je vais discuter avec eux. Non, reste ici, viens t'asseoir. Michael s'occupe d'eux. Laisse-le faire son boulot. Et s'il se plante? Non, reste ici. Bart, non. Bart, là tu fais une erreur. Ils ont fait d'énormes progrès depuis la première fois que je les ai vus. Hey, bonsoir tout le monde, messieurs. Ah, et madame aussi. Vous reconnaissez Bart? Grand merci d'être venu nous voir ce soir. Je viens d'avoir l'avis de vrais pros sur le concert, mais on avait presque fini. Vous êtes pas d'accord? On était sur le point de finir notre petite réunion. Allez, dites-moi, je veux connaître votre avis. Laisse-moi terminer. Je veux savoir ce qu'ils en disent. Tu veux vraiment savoir? Oui, j'y tiens. Allez, envoyez. Dites-moi tout ce que vous avez à dire, monsieur Music Man. J'ai la peau d'un rhinocéros. Tout ce que j'ai à dire, ok. Navré d'être celui qui doit annoncer ça, mais... tu es loin d'être au niveau. T'es pas assez bon pour l'instant. Quoi? C'est faux. Jouer pour des copains au camp de jeunesse, c'est une chose, Bart. Mais là, on parle de vendre des disques, et au stade où vous en êtes, j'en vendrai aucun. Pour des copains? On a fait un carton ce soir, on vend des disques autoproduits depuis déjà longtemps. Vous rigolez? Dans quel monde vous vivez? C'est du délire, les gars. On vit dans la réalité. Il faut affronter la réalité, Bart. Et le fait est que... T'es pas assez bon, Bart. Les rêves ne paient pas les factures. Si tu rêves, jamais tu pourras avoir tout ça. Ni affronter la réalité. Et le morceau de la fin du concert, le gospel? Oh, c'était magnifique. Magique, vraiment. Mon beau-frère est pasteur à Denver. Il cherche un groupe pour sa paroisse, je peux toujours vous mettre en contact. Elle est sérieuse? C'est la vérité qui te met en colère, pas moi. À la fac, j'ai connu deux ou trois bons joueurs de football, mais ils avaient juste le niveau pour réussir dans leur petite ville. Pas plus. Et tu veux que je te dise? Ils y sont toujours, ils ont pas bougé. Et c'est exactement ce qui va t'arriver. Il nous faut de la qualité pour pouvoir l'avoir. Arrêtez, ça suffit! Vous êtes largués! On a tout donné pour vivre ce moment. On n'a pas d'autre alternative? Alors s'il faut bosser plus dur que les autres, c'est bon, on le fera. Dites-moi ce que je dois faire, j'écoute. J'ai produit des tas de musiciens et je sais reconnaître ceux qui vont réussir. Et pour être sincère, je sais que tu réussiras pas. C'est tout. Vous osez me juger alors qu'on s'est vu qu'une seule fois? Rentre chez toi. Voilà ce que tu dois faire. Je peux y arriver, papa. Non, si je peux y arriver... Tu n'y arriveras pas. Et quand tu ouvriras enfin les yeux, tu te rendras compte que tu n'es rien. Et tu seras nulle part. Tout ça parce que t'auras voulu poursuivre des rêves absurdes. Ouvre les yeux! Laisse-moi finir, non. S'il te plaît, Bart. Non, pas question de quitter cette pièce. Si. Non, je m'en vais pas. Si, tu vas t'en aller et me laisser finir. Je vous rejoins après. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bart?
Ça va? T'es pas au niveau, Bart. T'en es loin. Tu vois, ça n'a pas pris longtemps. Et maintenant? On fait quoi maintenant? J'en sais rien, laisse-moi réfléchir. Il doit y avoir une solution, on peut pas rester là-dessus. Laisse-moi réfléchir une seconde. T'as ce qu'ils ont dit, toi? Écoute. T'es manager, tu dois avoir une solution. Attends une seconde. C'est quoi la prochaine étape? Parfois, il n'y a pas de prochaine étape, Bart. Ok? Tu t'es mis la moitié de Nashville à dos tout à l'heure. Bart, de quoi est-ce qu'il parle? Attends, c'est quoi cette histoire? S'il y a que ces gens-là qui comptent, alors. J'abandonne. Quoi? Je quitte le groupe. Quoi? Non, tu rigoles. Ouais, sérieux, tu nous lâches? Non, c'est très classe. Alors, attends, le groupe, il devient quoi? Ça rime à quoi, Mike? Faut être réaliste, ils ont détesté. Ils ont détesté l'ensemble, ils nous ont détesté. J'abandonne. Désolé de vous décevoir. Je peux venir ou tu préfères faire la gueule encore un peu? Alors, tu veux quitter le groupe? T'en es sûr? T'as une meilleure idée? J'en ai marre de tout ça. J'ai plus rien à apporter. Je vais être très franc avec toi. Je t'ai dit que je le serais et je le suis. Parfois, quand t'es sur scène, on dirait que tu chantes la chanson de quelqu'un d'autre, on dirait une pâle imitation. Et je ne crois ni en ce que tu racontes, ni en toi. Super, tu vois, ça me remonte le moral, merci beaucoup. Mais il y a d'autres fois où je vois quelque chose de vrai. Je vois quelque chose d'authentique. Mais c'est curieux, on dirait que cette vérité t'effraie et... d'un coup, c'est plus là du tout. Ça s'en va aussi vite que c'était venu. Et c'est là que, pour moi, tu représentes une énigme. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu essaies de fuir? Mon père. Il te battait, c'est ça? On peut tout lire sur ton visage, tu sais. J'ai grandi avec ça. Et je vais devoir vivre avec pour toujours. Je peux rien y faire. Alors écris là-dessus. Tu ne dois plus fuir ton passé. Tu dois transformer toute cette douleur en inspiration. Et là, tu transmettras quelque chose auquel tout le monde pourra croire. Mais pour y arriver, tu vas devoir affronter tes peurs. Tu sais, Bart, j'ai beau ne pas toujours croire en ta musique, mais je crois en toi. Je crois en ton talent. Ne lâche pas. Les gars... Je suis désolé. Il faut que je règle certaines choses. Que j'affronte certains problèmes. Je dois rentrer chez moi. Mais ça me ferait vraiment plaisir si vous m'attendiez. Donc on est toujours un groupe? Non, on est une famille. Ok. Le groupe a pris la route vers l'est. Et moi je suis retourné à l'ouest, en espérant qu'il m'attendrait. Je savais qu'il fallait que je règle des choses chez moi. Que je devais faire face à la douleur. Mais plus je me rapprochais... plus je ressentais de la terreur.
Tu peux pas faire ça. Hé, hey, Bart. Est-ce que t'as faim? Je t'ai entendu rentrer hier soir, alors... J'ai fait du bacon et déroulé à la cannelle. J'ai aussi fait une frittata. J'ai juste d'apprendre à les faire. Quand est-ce que t'as appris à cuisiner? J'ai appris des tas de choses ces derniers temps. Si tu veux, prends-toi une chaise et installe-toi à la table. Vas-y. Tiens. Pour faire une bonne frittata, il faut surtout une poêle bien chaude. C'est ça le secret. Vas-y, assieds-toi. Allez, installe-toi et mangeons. Goûte le bacon. Mais avant, disons le bénédicité. Quoi? Je vais le dire. Seigneur, c'est moi, Arthur, ton serviteur. Je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Et béni soit ce repas et merci pour la bouffe. Amen. Alors comme ça, t'as trouvé Dieu, on dirait. Bah en fait, j'ai écouté des pasteurs à la radio et j'ai aussi lu la Bible et tout le Tintouin. Quelle partie? Je l'ai lu en entier. Je l'ai lu plusieurs fois ensuite et... C'est troublant, je dois le reconnaître. Prenons le Lévitique, par exemple. Il veut dire quoi, ce texte? J'y comprends rien. Quelle prière? T'as dit Dieu a exaucé ta prière, laquelle? Pouvoir te revoir. J'ai été très occupé. Je sais. T'as dû voir qu'il y a plusieurs gros travaux en cours dans le coin. Il y en a surtout un dans le garage pour lequel j'espérais que tu me donnes un coup de main. Je me suis mis en tête de remettre en état la Jeep de ma jeunesse. Oh, j'en ai fait de bonnes virées avec cette Jeep quand j'avais ton âge, crois-moi. Et du coup, ça me plairait qu'on la répare et qu'on la fasse rouler. J'en sais rien. Qu'on se fasse une virée. Tu me fais quoi, là? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que t'as reçu mes lettres? Je t'en ai envoyé plusieurs. Ouais. Je les ai toutes jetées. Tu les as lues, peut-être? Non. Oh. Je pensais que t'étais revenu pour ça hier. Enfin, je voulais qu'on se fasse de bons souvenirs, c'est tout. C'est un peu difficile pour moi, papa. Les souvenirs que j'ai avec toi sont tous mauvais. Je vais chercher un peu de ketchup. Écoute, fiston, je sais que j'ai fait des choses que j'aurais T'as pas fait des choses? Je vais te rappeler un de mes souvenirs. La nuit où tu m'as battu tellement fort que j'ai dû dormir sur le ventre parce que j'avais le dos violet. Je pouvais plus bouger. J'avais quoi? 10, 11 ans? Ouais, je m'en souviens. Mais sache que... cette nuit-là m'a brisé le cœur et j'ai pleuré toute la nuit à cause de ce que je t'avais fait. Moi aussi j'ai pleuré, papa. À cause de la douleur. Toute la nuit.
Toi, tu pleurais sur toi. Et là, je dois revenir ici, manger avec toi et mettre de côté notre histoire. Mais non, ça marche pas comme ça, ok ? Comment je dois faire, Bart ? J'ai juste besoin de réparer mes erreurs. Celles qui t'ont fait souffrir. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Je sais, j'ai lu des tas de bouquins auxquels je comprends rien et j'ai des questions qui me trottent dans la tête, sur moi et j'ai personne pour m'aider à... pour m'aider à y répondre. Je suis perdu. Si le Seigneur peut pardonner les fautes des autres, pourquoi il pardonnerait pas les miennes? Le Seigneur peut te pardonner. Moi, non. J'aurais pas dû revenir. Bart, tu veux pas me donner une chance? Non! Ça, c'est un rêve que tu dois abandonner. Parce qu'il t'éloigne d'une réalité que tu refuses d'affronter.
Tu sais, je peux t'aider à répondre à tes questions. Je sais comment. Venez me voir et je vous en donne un. Vous en aurez besoin dès ce soir. Ce soir, nous allons parler du pardon. Trouvez une page blanche dans votre journal. Et je veux que vous écriviez ces mots. Seigneur, ce soir, j'ai choisi de pardonner. Et je vous demande de terminer cette phrase. Bien sûr, vous allez peut-être me dire... Vous ne savez pas combien c'est dur pour moi de pardonner cette personne. Vous ne savez pas ce qu'elle m'a fait. Et je dirais... Oh oui, c'est dur, je sais. Mais si vous avez été pardonné par le Seigneur, cela veut dire qu'il vous a donné le pouvoir de pardonner à autrui. Nous avons un cadeau spécial pour vous ce matin. Est-ce que vous connaissez l'histoire de John Newton? C'était un capitaine de navire, un marchand d'esclaves. C'était un homme tourmenté et taraudé par la culpabilité et la honte. Mais il a trouvé le pardon. Il a trouvé le Christ. Il a écrit une petite chanson à ce sujet, appelée « Amazing Grace ». Elle a touché le monde entier. Hé, hey, quoi? Pourquoi t'aimes les trucs cassés? Comment? Pourquoi t'aimes réparer les choses et en fabriquer d'autres à partir de rien depuis que t'es petit? Ah, je sais qu'il y a un mot pour ça. C'est quoi ce mot? La rédemption. La rédemption. C'est ça. Mais, dis-moi, c'est quoi cette note-là? Là, celle-là, c'est quoi? C'est un sol. Et là, c'est quoi celle-là? Un do. Un do, d'accord. Sol et do. Tu vas bientôt avoir de la concurrence, mon garçon. Ouais. Ouais. Déjà un bout de temps. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Elle et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. Quoi que tu aies fait, et même si t'as aucune idée de ce que tu as fait, t'as tort. Je t'ai raconté comment j'ai rencontré ta mère. Raconte-moi. Salut, c'est Shannon. Laissez un message. Salut, Shannon. Je sais pas si t'écouteras ce message, mais... Je voulais juste que tu saches que je suis retourné chez moi et que je tiens mon journal de nouveau. J'écris beaucoup, comme quand on était gamin. Et ça me fait beaucoup de bien. Je
Et j'ai écouté chaque mot. Et ensuite, quand t'as fini, alors j'ai écouté tout ce qui a été dit dans l'église. C'est ce qui m'a sauvé. Je suis très fier de toi. Vraiment très fier. Je t'avais dit de pas poursuivre tes rêves. C'est seulement parce que les miens n'ont jamais pu se réaliser. Mais t'es pas comme moi. T'es différent de moi. Toi, t'as un don. Un vrai don. Je veux que tu sois à l'abri, Bart. Quelque chose pour toi. Attends. Voilà. J'ai jamais gagné beaucoup d'argent. Mais j'ai mon assurance vie. Et j'ai aussi essayé d'économiser ce que je pouvais. Et je veux que ça te revienne. Pour que tu puisses te concentrer sur tes chansons. T'auras de l'argent chaque mois. Comme ça, tu pourras poursuivre ton rêve. Et je veux que tu l'attrapes. Faut surtout pas que t'abandonnes. Tu me le promets? Je te le promets. Chante-moi une chanson, mon fils. Avant de dormir. Chante. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Regarde de là-haut, Bart. Essaye d'imaginer.
content de te revoir, Bart. Moi aussi, Mike. Ça va, toi? Ouais. Où est-ce qu'on va? À l'ouest. On a 2-3 concerts au Nouveau-Mexique. Merci, merci. C'est bon d'être de retour, vraiment. Je n'ai plus été sur scène depuis que j'ai perdu mon père. Et j'apprends à vivre avec ça. Et je l'apprends de la seule façon que je connais, c'est en écrivant une chanson. Et je vais... Je vais la chanter pour vous. Elle s'appelle « I Can Only Imagine ». C'est le jeune qui a écrit ça. Ouais, c'est lui. Waouh. Ça, c'est sûr. Je l'écoute en boucle depuis que je l'ai reçu. Il faut la faire écouter à tout le monde. Je sais à qui tu dois l'envoyer. Téléphone. Jim, décroche, t'es le plus près. Téléphone. T'es pas sérieux? Téléphone! J'y vais! Ok, ça va. Ça non, va, laisse tomber, pas je l'ai, hein. T'inquiète, je vais décrocher. Ça va, ça dérange ah, pas. Ok, sympa, je te redonnerai ça. Allô? Ouais, de la part de qui? Tout de suite, oui. Une seconde. Je vais vous le passer. Bart, un appel pour toi. Bart? Ouais, c'est ça. Elle est bien bonne, les gars. Bien joué. Qui a eu cette super idée? Émigrante. En fait, c'était pas une blague, c'était... C'était Émigrante et tu lui as raccroché au nez.
C'est pas vrai, tu rigoles. Donne-moi ce téléphone. Émigrant. Émi, allô. Allô. C'est la vraie. Laurent, j'ai mal où est la touche rappelée. C'est un vieux téléphone. Il doit y avoir une touche rappelée, c'est impossible. Elle va commencer pour la rappeler. J'ai pas. Hé, Amy. Bart, ça ne t'a pas pris 10 minutes pour écrire cette chanson, mais des années de vie. Quand Scott me l'a envoyée, je faisais face à la fin de vie d'un ami très proche. Tu vois, ta chanson m'a soutenue. Je n'arrête pas de l'écouter. Elle peut aussi lancer ta carrière, et certaines chansons ont une signification personnelle. Tu es sûre de vouloir que je la chante ? Je n'ai jamais raconté mon histoire à qui que ce soit. Mon père était un monstre. Je vois pas d'autre mot pour le décrire. Et puis j'ai vu le Seigneur le transformer. De l'homme que je haïssais, il est devenu l'homme que je voudrais devenir. Et mon meilleur ami aussi. Et je m'en suis rendu compte trop tard. Sans doute parce que je ne croyais pas que Dieu pouvait faire ça. J'ai écrit cette chanson pour le dire. Et j'ai envie que le plus de monde possible puisse l'entendre. Toi, tu peux le faire. Moi, non. Alors ? Ouais. Je veux que tu la chantes. Bon, Brick. Tu me connais bien, non ? On joue toujours carte sur table. Amy doit revenir avec une chanson exceptionnelle, et c'est celle-là. Amy va débuter sa tournée d'automne, ici, chez elle, à Nashville. Et on voudrait qu'elle chante cette chanson. Salut, c'est Shannon. Laissez un message. Salut, Shannon. En fait, je voulais t'appeler pour te dire que j'avais écrit une nouvelle chanson. C'est une chanson différente de tout ce que j'ai écrit jusque-là, et... Je crois qu'elle a quelque chose de spécial. Je sais que je t'ai blessé, Shannon. Je t'ai blessé tellement de fois. Je te demande pardon. Ça... Ça n'a jamais été à cause de toi. T'y es pour rien, rien du tout, c'est juste moi qui étais... Pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Allô ? C'est magnifique, non ? Difficile d'imaginer une salle plus belle pour chanter ta chanson. J'espère que je lui ferai honneur. Ça va être fantastique. Mm-hmm. Tu sais quand tu vas l'enregistrer ? Bientôt. Je dois trouver le son qui convient. J'ai écouté ta version au moins 100 fois. Merci. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais que je dise, quand je l'aurai chantée ? Dis-leur que je l'ai écrite pour mon père. Envoyer une DJ de la radio de Birmingham.
Ok, bon, envoie-lui du chocolat, au cacahuète et au nougat, il adore. Oui. Ouais, c'est noté. Décrit de la part des auteurs de I Can Only Imagine. Bah ouais, je l'ai fait pour les 200 copies. Bon, parfait. Ah, le camion du service de livraison est là. Je vais lui donner les paquets. D'accord, parfait. Merci. Merci beaucoup. Le prochain titre est vraiment très spécial. J'ai trouvé une chanson qui m'a sauvée et soutenue. La musique a ce pouvoir, vous le savez. Oui, ça c'est sûr. Il y a peu de temps, j'ai dû faire face à un deuil et à beaucoup de douleurs. Et j'ai entendu cette chanson et je vous assure qu'elle a touché mon âme au plus profond. Elle m'a aidée à tenir debout. Elle m'a donné la force de vivre. Elle n'a encore jamais été chantée en public. Elle s'appelle « I Can Only Imagine ». Bart, est-ce que tu veux bien me rejoindre? Mesdames et messieurs, l'auteur de cette chanson est dans la salle ce soir. Et j'aimerais que vous fassiez sa connaissance. Bart, viens s'il te plaît. C'est pas une blague, allez, viens, monte sur scène. Ce n'est pas juste ta chanson qui est spéciale. Toi aussi, tu l'es. Cette chanson ne raconte pas mon histoire. C'est la tienne. Et ce moment ne m'appartient pas. C'est ta chance. Saisis-la. Bart Millard est l'auteur de cette chanson. Cette magnifique chanson. Et je tiens à ce que ce soit lui qui vous la chante ce soir pour la première fois. Bart. Je la dédie à mon père. Forever worship you, I can only imagine, yeah.
I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only splendide, n'est-ce pas? Bart et son groupe Mercy Me sortiront très bientôt ces titres dans leur premier album. Alors soyez patients et attentifs, d'accord? Shannon! Shannon! Il s'agit d'une urgence absolue. Je vous le rends tout de suite, c'est promis. D'accord? Allez vite, réponds, Jim. Allô? On annule les livraisons. Quoi? Faut rattraper le camion. Amy a décidé de nous rendre la chanson. Elle nous rend Imagine et je peux te dire que ça va être le succès de notre premier album. Rattrape le camion. Pourquoi? Le camion. Amy nous rend la chanson. Ne me regarde pas comme ça. Allez, allez, rattrape le camion. Les gars, devinez qui passe à la radio. Et on passe ce titre et on verra. Et voici la toute dernière chanson d'un tout nouveau groupe. Ce titre est numéro un depuis déjà une semaine. Vous avez écouté cette chanson? Elle va vous bouleverser, c'est sûr. Cette chanson a touché le cœur de tant de gens jusqu'à présent. Voici Mercy Me avec I Can Only Imagine. Ce titre est non seulement numéro un de la chanson chrétienne en Amérique, mais il monte dans les charts de pop music. J'adore cette chanson. Je vous présente Mercy Me en direct sur le Delilah Show. Comme vous le savez, on n'est pas une radio chrétienne. Et personne ici n'est vraiment religieux. Ça, je peux vous le dire. Mais croyez-moi ou non, c'est de très loin la chanson la plus demandée par nos auditeurs et auditrices. Je parle de I Can Only Imagine par Mercy Me.
va vous chanter sa merveilleuse chanson I Can Only Imagine. Veuillez applaudir Bart. Si des gens de mon lycée m'entendent ce soir, je veux leur dire j'ai réussi. J'ai écrit cette chanson juste après que mon père est mort du cancer il y a de nombreuses années. Il a été un père violent durant toute ma jeunesse. Quand il avait des soucis, il se défoulait sur moi. On lui a diagnostiqué un cancer quand j'étais au lycée, et là j'ai vu Jésus le transformer complètement. Du monstre qu'il était, il est devenu un homme éperdument et passionnément amoureux de Jésus. Quant à moi, ça m'a convaincu de suivre le chemin de l'Évangile, parce que s'il a eu le pouvoir de changer cet homme, l'Évangile peut changer n'importe qui, c'est certain. Je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer.
Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer.